Alors, une petite tomate. Oula, ça commence mal l'été. Attends. Ça va, on peut rire, non? Faut bien faire rougir les tomates. Comment ça va, petit Penter et petite Pentereuse? On se retrouve dans un endroit très calme, très ensoleillé, très printanier. Je te nettoie pour se parler non pas de tomates et de cuisine et de la culture du potager, parce que moi, tu vois, mon potager, il casse pas trois pattes à un canard, mais pour parler de cette jolie clôture. Alors, je vais pas te faire voir comment on la fabrique. Ça se vend pour 6 balles dans les magasins de jardinage. Mais là, en fait, t'as l'impression qu'elles sont pas du tout protégées. Bon, elles sont autoclaves, classe 4, le grand classique contre les moisissures, etc., etc. Moi, je veux garder l'aspect bois, parce que je veux pas le peindre, je veux pas que ce soit verni non plus, je veux pas que ce soit lésuré, et je veux que ce soit protégé contre l'eau, l'humidité. C'est pas possible ça. T'es sûr que c'est pas possible? Alors je vais te prouver le contraire. Tout a été installé, j'ai peint, j'ai machiné, et comme tu peux le voir sur ces images, effectivement, c'est hydrofuge. Donc cette crème, parce que c'est une crème, est à base... Attends, on va aller regarder le pot parce que, en plus, tout est écrit en anglais. Oui, ça va, je sais parler anglais, mais enfin, good morning, good afternoon, hello, hello, ça compte, non? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? C'est à base de silicone, voilà, c'est une crème... à base de silicone. Je dis crème parce qu'en fait, c'est ni une peinture, ni un vernis. Et puis, de toute façon, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Hein. Good protection cream. Rien à voir avec les crèmes. Ni les crèmes à manger, d'ailleurs. C'est vraiment le top. Ils te garantissent ça 10 ans. Ça serait vraiment le top si vraiment c'était garanti 10 ans. Sauf que là, j'ai pas assez de recul pour... même si je me mets comme ça. Non, j'ai pas assez de recul pour confirmer ou infirmer ce qu'ils ont dit sur le packaging. Méfiance par rapport à ça. Alors ça, c'est une vidéo qui était non sponsorisée à l'époque, il y a longtemps, c'est-à-dire au tout début de Docteur Peinture, j'avais contacté l'entreprise Safe Weird, une puce, pour justement leur demander un échantillon pour pouvoir tester le produit. Une gentille dame, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Sandra, ça s'appelait, qui était en Angleterre ou en Allemagne, je sais même pas, c'est très européen ce truc-là, m'avait envoyé un échantillon, et je lui avais promis de faire une vidéo, sauf que j'ai pas tenu ma promesse, enfin si, là maintenant c'est fait, parce qu'il faisait très très mauvais il y a 2 ans, ici sur ma région, donc entre le boulot et les vidéos, bah, j'ai choisi le boulot. Et le projet n'a pas pu se faire. Cette année, il fait beau, j'ai profité d'un peu de répit pour pouvoir bricoler dans le jardin et du coup faire cette superbe clôture pour éviter que mon chat aille pisser dedans, ce qui est ridicule parce qu'en fait, ils y vont quand même.
cette crème est vraiment très efficace. Ils la garantissent 10 ans. Bah ça, on reparle de ça dans 10 ans. Mais effectivement, je garde la couleur du bois, ça va certainement foncer avec le temps. Mais c'est devenu hydrosuge complètement. Et c'est assez bizarre même de voir les gouttelettes vraiment perlées. En fait, c'est un produit qui rentre au cœur du bois et qui protège de l'intérieur. Le truc, c'est que, un, il faut pas que ce soit verni, il faut pas que ce soit lasuré et il faut pas que ce soit peint. Il faut que le bois soit brut pour pouvoir, pour que le produit pénètre dans le bois. Sinon, bah, t'as plus qu'à poncer à blanc et raboter les planches, ça devient compliqué. Deuxième chose, ça reste un produit qui est inodore, qui colle pas, qui pue pas. Enfin bon, oui, inodore, hein, c'est ce que ça veut dire. Mais malgré tout, ça, tu nettoies tes brosses au solvant. Parce que c'est pour un produit qui doit empêcher l'eau de pénétrer, forcément, c'est pas, ça peut pas être un produit à l'eau. Réfléchis. Voilà, j'ai nettoyé mes brosses au solvant. Bon, c'est pas très gênant, ça pue pas, ça salit pas. Il faut faire gaffe quand même de pas se mettre un beau t-shirt. Ça s'est marqué dessus en plus, c'est drôle. Je suis très content, le client, je veux dire, c'est chez moi. Le test est positif. En général, quand c'est positif, c'est pas bon signe. Le test est concluant, tout simplement. Merci à Rexil donc de m'avoir fait confiance et de m'avoir. C'est Safeguard, je crois, qui fait ce produit-là. Parce que Rexil, c'est le nom du produit, c'est pas la marque. Merci à Safeguard. Si tu as aimé cette vidéo, et seulement si tu l'as aimé, le petit like, le petit partage, etc., etc. Fais pousser tes tomates comme je le fais, comme je te l'ai montré au début de cette vidéo. C'est très pratique, ça marche plutôt bien. Et puis ça fait plaisir aux voisines. Hein. Alors, moi je suis comme ça, j'aime partager jusqu'au bout. A bientôt pour de prochaines aventures. Non, j'ai fini, tu peux partir. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit pelleteur. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose, là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.